truc là sur ma tête. Et j'ai pas trop. En plus, j'ai pas mis de mascara donc. Donc je vais mettre mes lunettes. Allez, on va monter. J'en ai marre toute ma vie d'oublier des trucs comme ça à peine quand je pars quoi. Et oui, comme j'ai dit, je me suis quasiment pas maquillée donc faut que j'ai des lunettes pour que ça. Enfin voilà quoi. Bon bah voilà, c'est mieux. Comme ça, enfin, la lumière de l'ascenseur, franchement, elle est pas terrible. Elle pète les yeux là. Mais bref, cette fois-ci, on y va. Comment perdre du temps inutilement? Bon, me voilà arrivée dans le parking, pas le plus près, mais bon voilà, parce que l'autre plus près, franchement, hier, pour sortir de ma place, les gens étaient en face, étaient tellement garés près de moi que j'ai fait 50 000 manœuvres. C'était un truc de fou, les gens se gardent n'importe quoi, donc au moins dans ce parking, les places sont un peu plus alignées, un peu mieux que l'autre, c'est un truc en triangle, alors c'est n'importe quoi. Bref, voilà, il est déjà presque 8h10, le temps d'y aller, tout ça, le temps de me changer, je vais y aller. Et puis bah du coup je finis à 13h, 13h06 même. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà, journée terminée. C'est vraiment très très rapide quand je fais un petit matin comme ça, c'est passé trop vite. En plus du coup j'ai passé ma matinée à être encadrée du coup par une troisième année, donc c'est cool. Ça change un peu. Et puis voilà, je vais rentrer chez moi. Et ma mère vient de m'envoyer un message pour me dire qu'ils vont sûrement au ski samedi. Puis je lui avais dit quand ils iraient au ski que j'aimerais bien y aller. Parce que ça fait, je crois, mon troisième hiver où je ne suis pas allée au ski parce que les autres vacances, en fait, j'avais pas de vacances en février l'année dernière. Et sinon, l'année d'avant, c'était mon année du bac. Et je crois que j'avais les bacs blancs ou je sais pas quoi. Du coup, c'était un peu la galère. Donc voilà. Bref, je rentre à la maison. Ça sent les frites, j'ai trop faim. Dans sa voiture juste derrière, elle m'a regardé avec une de ses têtes en mode qu'est-ce que le feu. Hop, c'est bon, je suis arrivée pile quand je me suis mis dans la voiture. En fait il s'est mis à pleuvoir mais genre il y a du soleil, donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un arc-en-ciel parce qu'il y a il y a des nuages mais il y a un grand soleil et de la pluie. Du coup je pense que je tourne des vidéos à fond, se tape, parce que si je vais du coup au ski demain, à voir. Je reviens à la salle aussi avant. Donc il va falloir que je fasse je ne sais comment. Bon, je refais comme je vous avais déjà dit, je passe par l'escalier, je sors dehors et je reprends parce que ça va plus vite que l'ascenseur. Putain, il faut que j'aille à la boîte aux lettres et je passe devant du coup. Thomas, je suis avec toi. On trouve quelqu'un. Pas moi non plus, je te suis mais je devrais pas. Bon, je suis devant un vlog et mon copain est parti pour le travail. Mes cheveux ils font n'importe quoi, non mais regardez ça. C'est la folie. Là ils sont tous secs ici. Du coup je peux faire des trucs assez spécial. C'est sympa, on peut se créer des. Ah mais ça tient vraiment trop bien. C'est. On adore. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je vais au sport maintenant sachant que j'ai pas bien digéré? Ou est-ce que je me lave les cheveux, je tourne mes vidéos et ensuite je vais au sport? Mais sachant que du coup après le sport mes cheveux ils seront plus très bien propres. Mais bon, je me dis que de toute façon demain je vais au ski. Du coup mes cheveux seront pas forcément propres non plus. Du coup je suis un peu perdue, je vous avoue. Je sais pas trop comment m'organiser pour cet après-midi. Finalement c'est direction la salle, donc je suis prête. Et là en fait du coup je tourne ma routine avant la salle de sport, on me l'avait souvent demandé. Et comme ça, ça fera une vidéo pour la semaine prochaine. Donc là j'ai pris avant mon sport, petit truc, le My Protein. C'est j'ai pris thé pêche, voilà, c'est grave bon. Donc de toute façon je vous en parlerai dans la vidéo, mais souvent j'alterne entre deux trucs que je prends avant le sport. Et c'est pas un dopant ou je sais pas quoi, hein. C'est juste... comme je vous l'ai déjà dit, dedans il y a genre de la caféine, je sais plus où c'est que c'est écrit. Mais comme j'ai déjà dit, comme je bois pas de café, etc. Et il y en a plein qui disent la théine et tout, la théine. Alors moi la théine ça me fait rien du tout, j'ai l'impression. Bon, je sais pas si je suis bizarre ou pas, mais j'ai pas l'impression que la théine ça me booste. Alors que ça, ça me booste de fou et normalement il faut mettre 6 cuillères. Et la première fois que je l'ai pris, j'ai fait une séance à un peu plus de 17h. J'ai pris les 6 cuillères. Je peux vous dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'était un peu trop violent. Donc je mets jamais les 6 cuillères entières parce que... Alors là sinon, puis pas tard le soir quoi. Faut mieux pas en prendre, c'est comme si vous prenez un café quoi. Donc un café avant de dormir, c'est pas top. Donc voilà, mon petit appareil photo derrière, il a quasiment plus de batterie. J'espère que j'arriverai à finir ma routine. Après franchement une routine avant le sport, il n'y a pas des trucs de ouf.
Hop, me voilà prête, je vais y aller. Je sais pas s'il fait frais. Il fait un petit peu frais quand même, je suis en sweat. Mais j'ai pas envie de rajouter un manteau ou je rajoute une veste, sinon j'ai genre une veste de sport. Hop, voilà, je vais sortir, mais ça sent la colle dehors. Je crois que cette fois-ci j'ai rien oublié parce que vu que je filmais ma vidéo, j'ai dans ma tête, je me disais qu'est-ce que je dois prendre, enfin, écouteur, machin, du coup normalement j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est parti, je vais en voiture parce que j'ai pas trop de temps à faire. Parce qu'il faut quand même que je tourne une ou deux vidéos après. Donc, parce que les jours sans vidéo, ça va 5 minutes. Mais voilà, je me dis, j'ai pas mis de vidéo. Il y a une semaine, je sais plus quand avant, j'ai pas mis de vidéo non plus un jour. Donc voilà. On va éviter ce genre de choses et on va prendre l'avance, c'est mieux. Ça résonne tellement, genre dans ces bâtiments, dans ces garages, que je suis sûre, il y a des gens qui vont m'entendre parler tout seul, ils doivent se dire, mais. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, et sinon on m'a demandé pourquoi tu fermes pas dans le garage. Bah parce que généralement, genre comme là, je reprends la voiture après, je le ferme pas et en fait, que la voiture soit dehors, dehors, ferme à clé, pas dans un garage ou dans un garage qui est lui-même fermé, que tu peux pas rentrer dedans si t'as pas les clés. Et ben en fait, voilà quoi. Ma voiture, quand elle est dans le garage, elle est fermée, donc tranquillou. Là, par exemple, après, si tout le week-end je la prends pas, je fermerai. Mais comme je vais au ski demain, je sais pas si je dors chez mes parents ce soir. Ma maman m'a demandé, donc je sais pas encore. Ça va me faire trop bizarre si je dors chez mes parents et que je dors pas avec mon copain. Du coup, je vais être hyper perturbée. Oh, je viens de retrouver le sac congé qu'on avait perdu l'autre coup avec Lily. Enfin, perdu avec Lily. Quand on allait à Lidl, on voulait prendre le sac congé. Et je savais pas où il était et je viens de le voir. Bref, c'est parti pour la salle de sport. Je sais pas, il est quelle heure du coup. Quelle heure est-il? Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais pas. J'ai branché mon téléphone à la voiture, je l'avais mis à charger parce qu'au moment où je me suis dit tiens je vais aller à la salle de sport, il était à 13%, là il est à 61. C'est pas encore de la folie, mais bon, quand je fais mon cardio sur les machines de, enfin mon entraînement sur les machines de cardio, et ben il y a un truc pour brancher le portable, donc je le fais charger un petit peu. Et après il reste des exos. Généralement je vais répondre aux commentaires quand je fais des exos, j'ai pas besoin de mes mains, et sinon je réponds, enfin je fais pas vraiment sur mon téléphone. Mais du coup j'aime bien faire mon petit cardio avant, ou par exemple l'exercice des cuisses et tout. Je réponds aux commentaires en attendant. Voilà, faut être efficace hein. Voilà. Parce qu'en ce moment j'essaie à chaque fois de mettre sur un vlog, mais ça je le fais plutôt sur l'ordi parce que sur les téléphones j'ai l'impression à chaque fois de louper des commentaires. Et c'est le cas. Donc si vous voyez les derniers vlogs, j'essaie d'aller sur que ce vlog là et que les commentaires de ce vlog et de répondre quasiment à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de faire au maximum, surtout quand il y a des questions etc, j'essaie vraiment d'y répondre. Donc bref, voilà, c'est parti, on y va. On n'a pas trop l'impression que je suis pas si maquillée. Hein. De toute façon, mes lunettes pour le sport, je vais les enlever. Hein. C'est juste pour conduire parce que je suis mieux. Bref, je vais arrêter de parler parce que je perds du temps. Il est déjà 15h20. Me voilà... Oh, j'étais un peu flou. Me voilà arrivée, j'ai trouvé une vraie jolie place. Pas une fausse place improvisée, donc sur le parking gratuit, ça c'est cool. Et je crois que j'ai bien fait de venir en voiture. Enfin, oui, il pleut des mini-gouttes là, mais ça peut s'accélérer. Donc... Donc voilà, voilà, c'est parti pour le sport, je suis contente. Bon, du coup, demain matin, si je vais au ski, je vais pas pouvoir aller à la salle. Mais le ski, une journée de ski, c'est encore plus du sport qu'une heure à la salle, quoi. Enfin, c'est un sport différent, c'est pas pareil, c'est sûr. Mais voilà, je suis contente parce que le ski, ça faisait très longtemps que j'avais très envie d'y retourner et j'avais pas l'occasion. Donc là, on profite de l'occasion. Bon bah ça y est, séance de sport faite. Hop là, me revoilà arrivée à la voiture. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Bon, j'ai croisé une fille, bon, ok, on va quand même dire hey, tu critiques, mais c'est pas une critique, c'est juste j'ai besoin de réponses. Et en fait je comprends pas trop le principe des gens qui mettent des baskets Adidas et du coup qui mettent des chaussettes Nike. Je sais pas. Bon ok, cette remarque était inutile. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Enfin quoique, après ça m'arriverait, enfin ça me dérangerait pas de mettre peut-être un legging Nike et une brassière Adidas, pourquoi pas. Enfin je l'ai jamais fait. Généralement j'essaie d'en sortir, mais bon. C'est vrai qu'on s'en fout en fait, mais bon. Voilà, c'était juste une question que je me posais. Alors on va me dire, ouais, bah t'acceptes pas les critiques, mais tu critiques. Mais c'est pas une critique, c'est juste une interrogation. Je suis encore dans la respiration du sport, j'ai quasiment plus de batterie. Mais bon, on va rentrer, il y a pas l'air d'avoir trop de voitures. On verra bien. Bon, je suis rentrée. Ah, même là, rien que pour me baisser et m'asseoir, ça me fait tellement mal aux fesses que du coup j'ai fait séance fesses, adducteur, abducteur. Bah, je peux vous dire que
ça fait mal et qu'il faut que je m'étire parce que sinon pour le ski demain je vais être une handicapée du fessier, ça va être sympathique. Donc là pour le goûter je vais me prendre petit cookies là de Woman's Best parce que c'est les best. Oui. Et je vais me regarder des petites vidéos en même temps et je vais monter le vlog avant de me doucher, comme ça j'ai le temps de me refroidir. Donc monter le vlog d'hier et ensuite j'en reviens à commencer à monter, enfin même monter tout court. La vidéo donc que j'ai tournée, donc ma routine avant le sport. Comme ça ensuite pendant que tout ça charge je me douche et ensuite je tourne une autre vidéo. Je sais plus ce que j'avais prévu comme vidéo. J'avais noté pas mal de petites idées. Ah oui, je voulais faire un maquillage. Un challenge maquillage, voilà. Mais je vous dirai pas quoi. Je viens de monter mon vlog sur iMovie et je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais essayer d'ouvrir Final Cut Pro. Bon, mon vlog est fini de monter, mais ça c'est pas grave. Et là, ça marche. Final Cut Pro s'est réouvert alors qu'il marchait pas si vous avez suivi mes anciens vlogs. Donc bah, tant mieux, hein. Ça y est, je vais enfin monter ma vidéo Getting Ready With Me pour le sport, donc c'est fait. Il est déjà 18h10, faut encore que je me lave les cheveux, tout ça. Je voulais à la base tourner deux autres vidéos, mais du coup, je pense que ça sera qu'une seule vidéo parce que ensuite, ce sera l'heure que mon copain rentre. Et il rejoint des potes à la pizzeria, ils vont chercher les pizzas. Et ensuite, donc on mange les pizzas ici, voilà. Et après, on va au cinéma, on va voir le film Split. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas regardé la bande annonce. Mais voilà, voilà. Donc ça va être une cool petite soirée. Et voilà, ma vidéo elle fait 3 minutes 40. Elle est assez courte quand même à la base. Elle faisait, je sais plus, 6-7 minutes. Mais bon, quand on fait un Getting Ready With Me, on filme beaucoup. Et puis au final, on enlève pas mal. Je crois qu'elle faisait même plus de 6 minutes. Mais voilà. Donc je laisse charger ça. Mon vlog, il est déjà chargé sur YouTube. C'est nickel, il me restera plus qu'à faire la miniature. Donc je ferai ça tout à l'heure et puis là du coup je vais aller sous la douche, voilà. Parce que j'avais eu un peu froid de transpirer au sport et puis de revenir là. Enfin, c'est normal quand on transpire et après on a froid parce que la transpiration ouais, c'est de l'humidité, voilà. D'ailleurs je transpirais du coup en rentrant dans la voiture, ça a fait de la buée carrément. Ma respiration était trop chaude pour la voiture je crois. Bon du coup vite avant d'aller me doucher, je guette ce que je veux comme pizza mais je sais pas trop, j'hésite. Finalement je suis pas sûre que je vais filmer une vidéo après parce qu'il faut que je me lave les cheveux, que je me sèche mes cheveux et que du coup je me prépare un petit peu ma face, voilà, vu qu'on sort un petit coup, enfin on va au ciné quoi. Je pense que je vais maquiller parce que je me maquille pas trop en ce moment puis j'ai envie de tester le nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu. Je pense que je vais tester le nude que j'ai eu dans la box d'hier, voilà, parce que si je mets un trop foncé, oulala, quand il va dire mais c'est quoi ce rouge à lèvres, parce qu'il aime pas quand je mets du rouge à lèvres. Le voilà et bah c'est parti, je vais aller me sécher les cheveux, oui, me laver les cheveux. Et en fait la semaine prochaine je suis de soir, c'est à dire que je commence à 13h30 tous les jours. Donc du coup je pense que j'aurai le temps de filmer le matin en fait, donc ça va. Ouais, je fais 13h30, 21h, je sais plus combien, tous les jours sauf mercredi. Je dois finir, je dois faire 13h30, 18h, c'est une petite journée. Donc voilà, j'ai jamais encore été de soir pour l'instant dans mon stage. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je préfère être de matin parce que j'ai l'impression en étant de soir que ça prend plus de temps dans la journée. Mais finalement c'est un peu pareil. Et puis au moins je pourrais me lever, je pense en même temps que mon copain. Et comme ça j'irai sûrement aussi au sport le matin. Voilà voilà. Et du coup je verrai un petit peu mon copain le midi aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que quand je suis de matin, en fait je pars, il dort encore. Je rentre, il est déjà parti au travail et il rentre que le soir et du coup vu que je reprends tôt le lendemain, je me couche assez tôt donc au final on se voit pas beaucoup donc voilà. C'est un peu tiristouné. Ensuite ma mère elle me dit que ce serait plus pratique que je vienne mais, dormir chez eux ce soir mais du coup je sais pas. Parce qu'en plus on va déjà voir le film à 22h10, il dure 1h57 plus les pubs tout ça, ça fait plus de minuit. Donc je sais pas trop ce que je fais mais elle dit qu'on gagnerait du temps le matin si j'étais déjà là-bas. Parce qu'il me manque quelques trucs ici, j'ai pas ma combinaison de ski. J'ai pas de gros collants épais je crois, enfin je crois pas que j'en ai. En fait je crois que j'ai même pas emmené mes collants, je suis pas sûre, je sais pas, je sais plus.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai pas de mes chaussures de ski, tout ça, les grosses chaussettes, blablabla. Donc du coup, je sais pas trop. Je vais voir à quelle heure ils partent, sinon je les rejoins un peu plus tôt en partant. Je sais pas. Bref, je parle, et puis au final, je vais pas me doucher, je vais juste fermer ces volets, parce qu'il commence à faire frais. Je voulais vous parler d'un truc, vous savez, mon mascara, celui-ci que j'adore, c'est genre mon mascara préféré en ce moment, et là. Donc j'allais le mettre, tout ça, et je l'ouvre, et regardez ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a eu un souci. Oh, fais la netteté. Il y a eu un gros souci sur la brosse, en fait. Il y a genre du mascara partout, comme si c'était pas essoré. Et du coup, je comprends pas trop ce qui s'est passé. C'est comme si, je sais pas, le truc pour essorer était parti ou quoi. Mais je suis dégoûtée. Le truc... En plus, on voit qu'il reste des tonnes de mascara à l'intérieur. Mais je peux pas m'en mettre. Parce que c'est tout paquet, tout... Je suis extrêmement déçue. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Et personne n'a pu l'utiliser parce que je l'ai utilisé hier. Et bah, la seule personne... Enfin, quoi qu'il y ait eu Lily qui est venue, mais je pense pas qu'elle... Elle est touchée à ça, on l'aurait bien vu, mon père l'aurait bien vu, elle a pas fouillé dans mes affaires. Et c'est pas mon copain qui l'a utilisé ce matin pour se maquiller. Hein. Donc je ne comprends pas, je suis dégoûtée. C'est vraiment mon mascara favori et j'utilise depuis plus d'un an. Et il en reste toujours plein à l'intérieur et voilà quoi. Bon, du coup j'ai mis un autre mascara, donc j'ai mis le NYX XXL, je sais pas quoi là, celui-ci. Et il est bien, mais il a une brosse assez grosse, donc du coup, faut un peu mieux le travailler, enfin, faire attention quoi, sinon je t'en mets vite partout, alors que franchement, le Lancôme, il a une brosse toute fine, il est nickel, je suis dégoûtée. Et sinon, je vous avais parlé d'une crème, donc c'est celle-ci de Clarins, mais je vous avais pas donné mon avis, je vous avais juste montré, donc c'est le gel sorbet désaltérant. Donc pour les peaux normales à mix, et franchement, je l'adore. Après, peut-être pas utiliser en plein hiver, parce que moi j'ai la peau grasse, mais parfois elle tiraille un petit peu. Et c'est pas une crème que j'utilise le soir, mais pour le matin, si vraiment vous avez une peau grasse ou même l'été, c'est hyper léger, c'est sous forme de gel, du coup franchement, je l'adore. Bon, me voilà maquillée, mes cheveux sont pas tout à fait secs, donc là je vais les ressécher un petit peu. J'ai mis du coup le rouge à lèvres LA Splash. Je le trouve hyper joli, par contre comme j'ai dit, je sais pas si c'est hyper bien mis parce que alors la petite brosse là, petit truc pour l'appliquer, c'est pas terrible, on dirait que c'est en plastique et tout, c'est assez bizarre. Mais bon, je le trouve très joli. Bon, il est 19h26 et donc mon copain rejoignait les poteaux à 19h30 à la pizzeria. Donc du coup, je pense qu'ils vont pas tarder. Je vais ranger 2-3 petits trucs qui traînent. Et bah, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Voilà, on va manger des pizzas ce soir. J'ai pris une pizza Mamma Mia. Je crois que c'est jambon du pays, olives, poivron. Enfin, j'ai plus exactement, bref. Ça me fait bizarre de me voir assez maquillée par rapport... en stage avec une sale couette et tout, ça change, et du coup j'ai mis une robe comme ça là, enfin, ces manches machin là, manches trois quarts côtelée, et j'ai retrouvé, en fait j'avais quelques collants ici, et celui-ci c'est mon préféré, c'est un Gémeaux qui est assez, qui serre, qui fait un peu contention on va dire. Du coup c'est cool parce qu'il tient bien et tu te sens bien maintenu, t'as pas ton collant qui glisse toutes les 2 secondes. Et par contre cette robe je sais plus d'où est-ce qu'elle vient, elle s'écrit là-dessus, Asos, voilà, j'essaierai de vous mettre le lien si je le trouve. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et du coup demain je sais pas trop comment je vais vlogger vu qu'on va au ski. Donc je ne vous garantis rien mais à plus tard pour un nouveau vlog.